L'image de Meghan Markle, souvent perçue comme une victime par le grand public, est aujourd'hui mise à l'épreuve. D'après Angela Leven, célèbre biographe royale, la duchesse de Sussex aurait montré un comportement inattendu lors de son interview pour CBS, contrastant avec la vulnérabilité habituellement mise en avant. Le jour de ses 43 ans, qui aurait dû être une célébration, s'est transformé en une exposition de tension. Leven rapporte que Meghan a crié et s'est montrée très agacée pendant et après l'entretien, une réaction loin de l'image composée et contrôlée qu'elle projette souvent. Cette révélation intervient dans un contexte où Meghan est régulièrement décrite comme la cible des médias et des préjugés au sein de la famille royale britannique. L'incident soulève des questions sur la pression et les attentes auxquelles elle est confrontée et illustre la complexité des personnalités publiques, souvent réduites à des caricatures simplistes par le public et la presse. Leven souligne l'ironie de la situation en notant que cet anniversaire n'a pas été ce que Meghan aurait espéré, décrivant l'événement comme un « véritable accident de parcours ». Cette expression capte l'essence d'une journée marquée par des réactions vives et une couverture médiatique qui, inévitablement, cherchera à exploiter ces moments de faiblesse. Cette facette moins vue de Meghan Markle, révélée dans un moment de vulnérabilité, pourrait bien changer la perception publique de la duchesse, remettant en question l'image unidimensionnelle souvent peinte par les médias. Alors que les détails continuent de faire surface, l'opinion publique sera sans doute divisée, mais une chose est claire. Même les figures royales sont humaines, avec toutes les complexités que cela implique.